j'espère que je vais réussir mon tuto hein. Ah mais elle, la lumière ici, elle est trop bien. Bleu, jaune, non jaune c'est trop jaune. Blanc c'est bien. Non ça fait épuration. Bon je trouve. Dis-moi, t'as tout le temps besoin de mon aide. Je sais pas si je me maquille un peu parce que... Non vas-y on s'en bat les couilles. Il doit y avoir les instructions dessus. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui on va faire un tuto je prépare à manger. Donc vous m'excuserez pour ma tête, je suis pas maquillée, on s'en fout, on est juste là pour faire à manger. J'ai le même jogging que la dernière fois, mais vous inquiétez pas, il est lavé, juste que je voulais gris gris tu vois, parce que sinon j'étais en culotte. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai une idée, vous savez avec mon copain, bah, chacun notre tour le soir, et bah on fait à manger genre. Et hier lui il a fait des tacos et tout, c'était trop bon, avec des petits apéros tout ça. Et ce soir c'est à mon tour. Bon là il est pas là parce qu'il allait chercher un truc à la voiture, il allait courir en fait. Il allait courir et aller chercher un truc dans la voiture. Bref, j'ai rien préparé, j'ai acheté les ingrédients et tout. Enfin, je crois que j'ai assez. On verra. Ce que je compte faire, c'est, vous savez, les crispy rice là. Du riz que tu fais revenir dans une poêle, genre en mode limite un peu frit. Avec au-dessus du saumon. Attendez. Du saumon. Et vous savez pourquoi je vous fais un tuto? Parce que là, je veux savoir si je vais réussir, si ça va être bon ou pas. Parce que dans ma tête, en fait, c'est trop bon déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Que... Attends, je suis fatiguée, là, je parle trop. Que... J'ai mis une story de pâtes aux crevettes. Genre en mode, j'avoue que ma photo, elle est super belle. Je vous la mets juste là, là. Vous allez dire, elle est trop belle. Et bah, vous avez été grave nombreux et nombreuses à me demander le tuto. Du coup, ça va pas être ça, cette vidéo. Oh, mais je parle de vous, ferme ta gueule. Bah, on verra plus tard. Du saumon. J'en ai pas fait beaucoup parce que... Bah il en restait presque plus. Avec de la sauce soja sucrée genre de la ciboulette, un peu de piment en poudre. Voilà, ça ressemble à ça, ça a l'air plutôt bon. Et c'est ça qu'on va mettre au dessus des crispy rice. On va mettre ça et aussi un truc que j'ai acheté. Enfin que mon copain m'a fait découvrir. Thon à la moutarde en grain. Ah merde, c'est pas ça ce que je voulais. Bref ça a l'air trop bon et en fait j'ai vu ça, je vois tout le temps ça sur les mukbangs des autres. Mais si je veux faire pareil. Ouais moi je suis une copieuse. Du coup je pense que ça va pas être assez, du coup je vais faire un autre truc. Déjà je voulais faire une petite salade. En fait je parle trop là. Bref, je vais faire une petite salade hyper bien décorée. Eh, on arrête de parler là et on va cuisiner. On va commencer par cuire du riz. Tu vois comment ça se cuire comme ça? Moi j'ai une casserole là, pour cuire le riz là, vous savez. J'espère que c'est le riz qui colle hein, parce que moi je veux pas le riz qui colle pas là. Le riz européen. Je sais pas si c'est européen mais je veux du riz asiat. Et je vais allumer la lumière là, ça va être bien non? Ah non, ça vous fait un reflet ou pas? Bon ensuite qu'est-ce qu'on doit préparer? Je vais couper la salade et laver la salade. Je vais vous prendre avec moi. J'ai acheté vous savez cette salade qui est trop bonne. Vous allez voir je vais faire une présentation digne d'un chef étoilé. Et j'ai acheté des mini concombres trop chauds. On coupe le bout. Ensuite on va enlever les feuilles. You open the rice. Ah mais c'est détaché. Ah et vous mettez dedans. On va mettre notre salade dans notre passoire pour la rincer. Laver aussi les concombres. Une fois que c'est lavé et bien égoutté, bah en fait vous voyez, je vais disposer, je vous ai dit présentation chef étoilé. Vous allez disposer vos petites feuilles de salade en mode en étoile comme ça. Alors tu prends une cuillère, donc je vais faire un côté houmous, un côté pas houmous parce que mon copain il a dit qu'il n'avait pas le houmous. Je sais pas il vient de quelle planète mais j'adore le houmous. Attendez laissez-moi manger ça. Prends une cuillère de houmous et tu l'étales. Putain c'est trop moche. Mais je calme toi. Et l'autre moitié je vais faire ça. J'espère que c'est bon. Parce que c'est ce que je vais mettre aussi dans mes trucs de riz. Le riz il est prêt dans 3 minutes. 2 minutes. Ok. Petit soleil c'est trop chou. J'espère que ça va être beau comme je veux. Ensuite on va couper des mini concombres. Ils sont chelous, ils sont rugueux mes concombres. Pourquoi c'est pas censé être comme ça un concombre? Des tranches de concombre. Je crois que je vais les couper en billets comme ça. Non, plus en billets. C'est Astrid qui m'a fait découvrir les mini concombres comme ça, c'est tellement bon. Et ensuite, je vous coupais des tomates. En fait, je voulais faire en mode concombre, tomate, concombre, tomate. C'est bon comme ça? Oh, c'est trop mignon. Est-ce que c'est cuit cette merde? On retire le rice. Vous savez, c'est quoi ma phobie en cuisine? Genre, j'adore cuisiner. Genre, le midi, j'aime trop cuisiner pour mon copain et tout, vu qu'il travaille. Mais ma phobie, c'est de me brûler avec de l'huile. Genre, ma phobie, c'est l'huile chaude en fait. Ensuite, bon on continue hein. Bref vous avez capté, concombre, tomate, concombre. Et on se retrouve après quoi, on se loupe pas. Ok, allez, bye. Avouez mon assiette elle est pas trop mignonne. Oh, au milieu il y a des concombres qui font un guet-apens à la tomate là. Franchement elle inspire le soleil hein. Donc ensuite on va un peu assaisonner quand même. Parce que nous on est des meufs de l'assaisonnement. On va mettre un peu de sel. Pas beaucoup, on a pas envie d'avoir les artères bouchées.
un peu de poivre. Si, si, les assaisonnements. Oh merde, j'ai niqué mon assiette avec le poivre. Et un peu de ciboulette. C'est moche. Bon, on va rester là. C'est pas grave, sans âme. Donc, ça, on va mettre de côté. On va s'occuper du riz. Alors, pour le riz, je vous explique. En fait, c'est chaud. Il faut que je fasse des cubes, genre. Et ensuite, je vais faire revenir à la poêle. À chaque fois, quand on cuisine avec mon copain, on se dit, ouais, t'as pas le droit de regarder ce que je fais et tout. Hier, il me faisait ses tacos, c'est que t'as pas le droit de regarder. C'est pas cuit, je fais quoi? De toute façon, ça va être crispy rice, hein, que ce soit cuit ou pas, ça va être croustillant. Donc personne va caler ses maquis. Cette personne qui sait que ce sera pas cuit, c'est moi. Il va n'en voir que du feu avec mon riz croustillant. Bon, pendant que le riz refroidit, je mange des concombres avec du houmous. Trop bon. La cuisine, elle est trop belle, je suis amoureuse de la cuisine. Bon, vu comme ça, ça a l'air un peu dégueu, mais en fait, genre, je veux faire des cubes, mais ça colle à mes mains. Genre, le riz, il est pas censé coller à mes mains. Genre, il est censé coller entre eux-mêmes et pas sur mes mains. J'aime pas cette sensation. J'avoue que je suis emprisonnée. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dedans. J'en mets dans mes mains. Je sais plus comment elle faisait, la meuf. Ah, ça y est, ça colle plus. Oh, ok. Non, mais si je rate, par contre, ça va me saouler. Bon, vous inquiétez pas, j'ai lavé mes mains. Ça paraît un peu crade comme ça, mais... Ah, oh, ça marche. Faut juste pas que ça se désintègre, genre. Je sens que quand je vais le mettre dans la poêle, ça va se péter la gueule, ça va me saouler. Oh, regardez, c'est beau, non? Faut juste pas que ça colle, quoi. Attends. Toi, dégage. Toi, dégage. Toi, dégage. Toi, dégage. Toi, dégage. On va faire un plan de travail propre. Ingénieuse, on va mettre un peu d'huile d'olive sur ça, parce que sinon, ça va coller mes rectangles, ça va me saouler. Je vais pas réussir à les décoller. Allez, c'est parti, on fait le reste. Je crois que j'ai trouvé la technique, les gars. Genre, en fait, faut de ouf l'écraser dans vos mains, genre. Ça paraît dégueu à dire comme ça, mais regardez, genre, ça colle plus et ça tient. Je vous montre. Bon, après, vous avez les gens, ils vont me dire, ouais, ça se trouve, c'est pas du tout la recette et tout, mais... De... Ah, mon copain, il arrive, je crois. Genre, si c'est pas la recette, bah, dites-moi. Abonne en commentaire, mais... Hé, t'as pas le droit de regarder. Regarde pas. Non, mais la prochaine fois que tu vas faire à manger, je vais regarder aussi, tu vas voir. C'est quoi, ce masque? T'es parti sans masque? Ouais. T'as dû en acheter un? Non, on a vu. Merde, ça t'aide. Ah ouais, tu m'écoutes pas. Vas-y, ouais. Je vais regarder ma série au pire. Non, mais bébé, tu peux rester. Hein. T'inquiète. De toute façon, t'as déjà regardé ce que je faisais. Non, mais en fait, je pense que tu t'y attends pas. Genre, je vais t'impressionner. Ah ouais? Ouais. Quoi? Je veux savoir, il y a quoi à l'intérieur? Mais c'est chelou du riz autour. Mais laisse-moi tranquille, je pense. Bah oui, mais tu juges pas ce que je fais. Parfois, je juge pas ce que tu fais. On va faire revenir ça dans de l'huile de sésame. Ah, mais je voulais faire un autre truc aussi. Je voulais faire un autre truc trop bon. Ah, vas-y, t'as le temps. Hein, si ok, t'as pas trop faim, ça va? Bah non, pas du tout. Je vais leur dire ce que je vais faire. Alors, je vais faire genre des tortillas comme on voit sur TikTok. N'importe quoi. ASMR. J'espère que je parle pas trop dans le micro parce que sinon vous allez rien entendre. Bébé, t'es sûr que t'aimes pas le houmous? Mais je suis sûr que t'as jamais goûté. C'est quoi? Je t'ai dit, c'est du pois chiche. Ah ouais. Non, vraiment, je te jure. T'aimes pas? Non, vraiment pas. Mais laisse-moi te faire goûter. Non, s'il te plaît. Mais tu dormiras moins bête. T'as jamais goûté? Je te jure que je te promets, je l'ai déjà goûté. Vas-y, arrête. On dirait que je vais t'assassiner, frère. Calme-toi. Hein. Tu veux un mini concombre pour l'instant? J'ai jamais vu ça. Sérieux? C'est vraiment un concombre. Oui, c'est un concombre, bébé. Ouais. On dirait un cornichon, genre. Ouais. C'est où? Ouais, je trouve aussi. Vous me gênez en fait. Bon, là je suis saoulée parce que c'est pas du tout comme je voulais. Trop moche. La présentation est dégueulasse. Le riz... En fait, je crois qu'il fallait faire ça avec du riz gluant, non? Dites-moi en commentaire parce que là je suis saoulée. Il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Mais bon, j'ai mis de côté, hein, pas de gaspillage. On va mettre ça dessus maintenant. Vas-y, je vais même plus vous montrer ce qui est en train de cuire là, que ça cuise dans son coin. Mon saumon, j'avais oublié mon saumon. La présentation, elle me donne même plus envie de faire d'efforts. Est-ce que vous pouvez ne pas juger ma présentation, s'il vous plaît? Restez sur le soleil des salades, là. Je vais refaire un soleil pour la peine. On va cacher le désastre avec des tomates. Franchement, quand même, ça donne envie, hein. De loin. Et ceux-là, ils tiennent mieux. Ça tient mieux avec de l'huile d'olive. Pourquoi? Peut-être que je les ai plus écrasés. Je vais faire un effort de présentation, quand même. Bon, histoire de présentation, je vais mettre un peu de ciboulette. Voilà. Et pour le reste du riz crispy, pour pas gâcher, j'ai mis du saumon. Le reste du saumon, le truc de thon là. Et en vrai, j'aurais pu mettre 2-3 tomates. J'avoue, je vais voler les tomates de l'autre assiette. 2 tomates. En mode pokéball. Du coup, pour l'autre recette, on va casser 2 œufs.
À ce qui paraît, quand la plaque a fait ça là, c'est qu'on peut plus l'utiliser. Non. C'était pour charger mon tel. Bah donne, je te le charge. Arrête, s'il te plaît. Tu me saoules. Désolé. Ils sont où? De quoi ils sont où? Non mais j'ai caché. Va dehors, je vais te servir le vin. En attendant que ça refroidit, ça, et bah on va servir le vin et l'entrée. Alors, nous avons une entrée de soleil. Tadam! C'est beau? Ouais. T'as l'air très dubitatif, hein. Mais voilà, mais en fait, je trouvais juste que la décoration, elle était jolie. Ouais, c'était joli. Bah voilà, tu peux goûter. On va mettre d'abord l'œuf. Pendant que c'est pas encore cuit, on va mettre des tranches, on va imbiber. Et cette recette, on la voit partout sur TikTok. On dirait qu'il n'y a rien à grailler là. En fait, ça a tellement. J'aurais tellement de trucs qui s'est cassé de ça. Bah, on dirait qu'il n'y a plus rien à grailler. C'est pas grave, ça va être un repas de rat. Et du coup, pendant que c'est pas encore cuit, on met la tortilla dessus. Bon, normalement, c'est censé. Ah yes. C'est bon. J'espère que ça va pas coller. Oh, ça colle. Putain, mais tout ce que je fais, ça rate ou quoi? C'est pas grave. Et moi je m'étonne que le goût est là. Bon voilà, c'était ma recette. Hein. Raté, mais c'est pas grave, au moins on a tenté. TikTok, vous êtes des mythos. Bon, désolé, je vous ai même pas montré, mais bref, ça donne ça. Ça, on écoute Macron qui parle. Veillez à ne pas pénaliser les territoires où le troisième principe, c'est la responsabilité. Bon, on a fini de manger. C'était bon? Ouais, de ouf. Il s'est régalé. Du coup, bon là, on va tout ranger. J'espère que ce tuto bancal vous a plu. Je voulais tester des trucs, moi. Mais Maury, il s'est un peu cassé la gueule. Bon, c'est pas grave. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour plus de tutos. Bye.